Salut, c'est le game encore, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de Portal 2. Allez, on va continuer le deuxième chapitre, enfin on va commencer le deuxième chapitre. Sur le premier épisode, on a notre ami, l'œil robot, est mort. La méchante est revenue à la vie et du coup, Excusez-moi de vous elle nous avoir. force Je me à suis faire laissé aller bah, tout ses seul dans la essais, enfin, tuerie. ses tests À plutôt. propos, merci. Diagnostic de sarcasme terminé. Ah, parfait. C'est de nouveau opérationnel. Je vais réparer tout le reste pendant que vous effectuez ce premier test très facile. Un test à base de laser mortel, visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel. Ah, super. Très facile. Laser mortel. C'est ça le laser mortel? Oula, il est où le laser mortel? Ok. Donc il faut faire ça. Et tirer en haut, je présume. Ok. Alors est-ce qu'on va pouvoir passer là? Du coup. C'est raté. Comment faire? Ah, je suis bête. N'importe quoi, moi. Il faut l'arrêter, se mettre sur la plateforme, et après remettre en haut. C'est tout simple. Vous vous débrouillez Voilà, comme je un sais pas chef, pourquoi j'ai galéré. mais je vous conseille d'économiser vos forces. Il reste encore beaucoup de tests. Bah c'est cool, hein? Ouais, j'ai l'œil qui me gratte. Donc comme un idiot, je le gratte et du coup La bah, ça me gratte prochaine encore salle plus. comporte des cubes anti-découragement. Je venais de les développer quand vous avez fait votre petite crise. Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble. Il doit y en avoir dans le coin. Des cubes d'anti-découragement et il faut sauter au-dessus du laser. Ok. Je sais pas plutôt. Alors ça c'est bloqué. Nous il faut qu'on aille là. C'est quoi, on va faire ça. Voilà. Du coup, le laser doit taper ce truc là. Alors il est où le cube? Ah, le cube est ici. Ah, notre ami le robot! Il est en vie! C'est incroyable! Ah mince! Au secours! Oula! Il s'est passé des choses bizarres. Hop, et on se décache sur le côté. Sinon, on va rester bloqué. Ça va pas le faire. Si j'appuie sur ça, ça fait quoi? Ok, c'était pas cool. Ça détruit le cube. Non. Voilà, ça c'est bon. On va prendre ça. Et. Ok. Comment on fait pour le placer et pas mourir? C'est une simple question, mais qui a son importance quand même. Voilà, c'est bon. Ok. On se met dans le bon sens. Ah! Ah oui, d'accord. Donc il nous faut encore un cube. On va faire ça. Et tu vas arriver. Vas-y, hop. C'est bon, je l'ai pris. Bravo. Voici les Merci. résultats des tests.
Vous êtes quelqu'un d'affreux. C'est ce qui est marqué. Quelqu'un d'affreux. Et c'est toi qui l'as marqué, je parie. Même pas là-dessus. Elle nous déteste vraiment, en fait. Hein. Enfin, aussi, on l'a tuée. Donc, du coup, ne laissez pas l'argument « quelqu'un d'affreux » vous décourager. Ce n'est qu'une question statistique. Si cela peut vous rassurer, la science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique. Donc, notre mère aussi est prisonnière? C'est bizarre. Voilà, c'est bon. Oui. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Félicitations, pas pour le test. La plupart des sujets sortent de cryostase en aide sous alimentation. Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable au mépris des probabilités. Bon, bah en fait c'était facile, mais je suis bidon. Voilà, c'est comme ça. Un instant. Oui. Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire. N'hésitez pas à lever un peu le pied et... Non, on veut sortir. À part détruire le centre. Détruire le centre, en fait. Se tirer. Ok. Alors, notre ami le robot, on l'a pas encore... Enfin, on l'a vu. Mais il a pas repointé son bout de son nez. Enfin, son œil. Il a pas de nez. Ok. On va essayer d'aller là-bas. Voir. Faire gaffe de pas se prendre la tête. Voilà, on a mis notre cube. On va revenir là-bas. Je suppose. Ça. Ok. Ah mince. D'accord. Ça fait bouger la plaque. Et nous, on veut qu'elle s'arrête. Voilà. On monte là-dessus. C'est le portail bleu que j'utilise. Là, il faut qu'on saute. Ah. Ah. Vous m'avez écouté. J'en suis très heureuse. Mais à titre d'information, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement. Là, il y en a des choses dans ce cube. Enfin, dans ce tuyau. Ouais,
J'espère que je brille pas trop. Sinon ça va faire moche. Ok, bah voilà. J'aimerais bien que ce soit rangé comme ça. Le test qui suit comporte une plaque de foi aérienne d'Aperture Science. Elle faisait partie d'une expérience visant à tester les facultés logiques de sujets catapultés dans les airs. Les résultats ont été très probants. Le catapultage inhibe la logique. Bonne chance. D'accord. On peut mettre un... Non. Bon, on va essayer de faire ça. Ok. On fait tomber ça. Donc, du coup, il faut aller le chercher. Je suppose. Raté. Ouais, trop fort. Que saviez-vous? Ce que vous respirez n'est pas vraiment de l'air. Il revient trop cher à pomper. Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle, que nous assainissons et réinjectons. En fait, vous allez respirer le même air pour le restant de votre vie. Intéressant, non? Ok. Alors en plus d'être enfermé, tu sens même pas l'air de... C'est toujours la même. Cool. Passons au test suivant. Tiens, des plaques de foie aériennes avancées. Bon, amusez-vous bien à fendre gaiement les airs. Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui était faite entièrement en verre pour ramasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule. C'est vrai, tu vas pas te plaindre non plus. C'est pas toi qui vas te rester bloqué dans des pièces à faire des tests avec un robot psychopathe. Truc à faire avec le portail. On va essayer cette plaque. On va voir ce que ça fait. Ok. On atterrit où? Là, peut-être. Je me suis planté. J'aurais dû le faire en une seule fois. Comment faire pour revenir? Peut-être là-bas? On va essayer. Alors. Ah c'est bon, je peux revenir. Ok. Donc du coup, il faut que je tire un portail là-bas. On va essayer de faire ça. Et quand j'arrive en l'air, il faut que je tire. Ok, voilà. Ça. Et là. Ok. On est mort. Voilà. Première mort sur le jeu. On ne sait pas nager. Ah si, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. Faut que je tire sur les deux portails là. Qui va m'amener en haut. Voilà. Parfait. Donc là, si j'appuie. Oh, pardon. Je n'ai pas fini de nettoyer les salles de test. Du coup, il reste parfois des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité. Tâchez d'éviter les déchets qui foncent sur vous. Oui. Elle est passée à la tourelle? Est-ce que je peux avoir autre chose? Voilà, ça va arriver. Oui. Cool. Oui, mais comment je fais pour aller jusque là?
Ah là. Voilà. C'est bon, en haut il y avait du blanc. Enfin, un mur blanc. Je laisse tomber ça. Voilà. Et ça nous a ouvert. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé des déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité? C'était une métaphore. Je faisais implicitement référence à vous. Et je suis désolée. Vu votre manque de réaction la première fois, j'avais peur que vous n'ayez pas saisi l'insinuation. Ce qui aurait rendu les présentes excuses absurdes. C'est pourquoi je viens de vous traiter à nouveau de déchets. Le saviez-vous? Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Pardon, je Pourquoi ne sais y a pas un ce qui train? est arrivé. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a encore des gens vivants? Est-ce qu'on peut accéder au dehors? Ah tiens, un cube avec un cœur, c'est quoi hein? Détruit sans vous laisser le temps de terminer le test. Désolé. Retournez en prendre un autre. Oui, mais où? Je sais même pas à quoi ça servait. Plein les entrepôts, aucune valeur marchande, vous m'en débarrassez. Ouais, ben si je pouvais finir mon niveau, moi, ce serait pas mal. Donc, du coup, est-ce qu'il faut que je mette sur le laser? Bah oui. Ok. Et après, j'enlève pour monter. Faut le cube, je crois. Est-ce que j'ai un mur blanc là? Oui. Voilà. Est-ce que je peux le mettre déjà? Voilà. Et là, par contre, il faut qu'on saute d'un portail pour aller en haut. Je suppose. Voilà. Facile. Et du coup, là, il faut qu'on saute pour arriver sur la plateforme. Chaque salle de test est équipée d'une grille d'émancipation en sortie pour que les sujets de test n'emportent rien avec eux. Celle-ci est endommagée. N'emportez rien, surtout. Attends, je pouvais prendre des choses? Est-ce qu'il y avait quelque chose à prendre? Ah, le cœur, tiens. Ah ben non, le cœur, sinon la porte se referme. Bah, je sais pas. Je crois qu'il y a rien à prendre, là, apparemment. Dommage. Le prochain test fait intervenir des grilles d'émancipation, vous vous souvenez? Je vous en ai parlé dans la dernière zone de test, qui n'en comportait pas. Du coup, il faut que je fasse quoi?
les turbines. Je dois vous laisser. Ah, mais c'est vrai, il faut expliquer le prochain test. Je vous donne la version courte. Voilà, si vous avez des questions, repassez-vous mes instructions au ralenti. Testez à l'instinct, je reviens tout de suite. Super. J'ai rien compris. Et là. Voilà, on est de l'autre côté. Ok, on va revenir là pour prendre le cube. Voilà, terminé. Ben, on est arrivé au chapitre 3. On va le garder pour le troisième épisode. Du coup, ben, on a vu notre ami le robot œil. Il n'est pas mort, on continue les salles de test avec la psychopathe. Est-ce qu'il va revenir nous voir? Je sais pas. Donc on va voir. Et pourquoi il y avait un bruit de train qui passait quand elle parlait la méchante. Voilà. N'oublie pas de laisser un like sur la vidéo, de me suivre sur les réseaux sociaux, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!